Bonsoir Nina Métayer. Bonsoir. Vous êtes venue avec trois galettes des rois. Et trois couronnes. Et trois couronnes. Ouais. C'est-à-dire qu'il y aura trois rois et trois reines. On va tirer les rois dans un instant. Est-ce que vous pouvez nous les présenter d'abord? Oui. Alors, en tant que pâtissière, ce serait dommage d'arriver les mains vides. on a la traditionnelle au rhum. Donc, les trois sont à base d'un feuilletage qui a été travaillé avec beaucoup de passion. On est sur un feuilletage avec du beurre à AOP Charente Poitou, évidemment. Et une bonne farine. Alors que c'est des farines, il y a de la farine de petite épeautre, de la farine T82 meule. Et c'est important parce que ces farines-là et ce beurre-là vont faire qu'on a un feuilletage très particulier qui va être croustillant, qui va pas dessécher, qui va être bien beurré. Et après, à l'intérieur, il y a des frangipanes qui sont un peu différentes en fonction des galettes. Alors, on a la rhum, l'ambrée, avec un rhum qui est bien particulier, qui est de la plantation. C'est le Xinica. Enfin, je veux pas... Bon, j'ai mal prononcé, donc voilà. C'est un bon rhum. Oui, c'est un rhum jamaïcain. Et puis ensuite, on a le flocon, qui, elle, est avec des petits fruits confits, parce que moi, je viens de Charente, comme on l'a compris, de La Rochelle, et on mange cette couronne des rois avec ses fruits confits, donc j'ai rajouté un peu de fruits confits dedans. C'est quoi au milieu le... Ah oui, du sucre. Voilà, et de la bergamote. Oh, c'est bon, la bergamote. Et la troisième. Et la troisième, c'est avec des graines, donc là, on est vraiment dans le côté assez brut, terroir, avec des bonnes graines qui vont venir alléger la galette et désucrer. Et vous avez une préférée dans vos trois enfants? Non, pas du tout. Non, je ne peux pas. Est-ce qu'on peut découper les galettes? On a envie de les goûter. Oui, vous avez un couteau sur vous, toujours? Il y a un truc très intéressant là-dessus, parce que vous avez parlé de la technique de la pâte feuilletée, et il faut dire aux gens de faire leur pâte à tarte eux-mêmes, et même la pâte feuilletée, il faut absolument essayer. Vous faites ça, Natacha? Oui, bien sûr. Mais il y a aussi le dessin. Alors là, le dessin, c'est une technique plus moderne, ça, ce n'est pas une technique de pâtissier. C'est ça. Donc là, on a la technique du rayage, comme on a, comme on connaît d'habitude. Alors ça représente une fleur quand même. Un petit peu. Je m'en occupe. Et après, alors ça, c'est des techniques, donc la technique de la tuile sur la galette. Ça fait quelques années qu'on fait ça. Alors moi, j'ai la chance de travailler avec une illustratrice, en plus, qui est une super amie à moi, Alexia Lepelletier, qui dessine ses dessins qui sont dessus. Donc, et puis, il y a tout un travail avec elle. Il y a une symbolique à chaque fois dans chaque galette. Là, évidemment, on est sur l'oiseau, enfin, sur la colombe, la paix, le... quelque chose, voilà, l'envol. Vous allez couper la tête de la... Oui, j'ai du mal à couper la tête de la colombe. Il faut détruire. Non, on peut tout détruire, sinon c'est pas grave. Ça y est, c'est fait. C'est bon. La dernière fois que je suis venue, c'est à vous, j'ai fait la cuisine, maintenant c'est de la pâtisserie. C'est bien. Oui, parce qu'après, il va falloir choisir qui prend quelle part. Ah oui, c'est ça. Non, c'est vous la plus jeune. Et nous, c'est à titre scientifique. Qui veut quoi? On teste pour justement comparer, c'est obligé. Elles ont l'air dingues. Ouais, ça a l'air d'être dingue. Bah, allez-y, servez-vous. On fait comment? Oui, on fait tourner. Préparation pour la conception de ces galettes. Thomas, servez-vous. Au moins 8 mois. 8 mois de conception. En fait, on se donne 8 mois. Ouais. Parce qu'en fait, il va... c'est plus qu'une tuile, il y a aussi la symbolique, il y a qu'est-ce qu'on veut transmettre, etc. Il y a la collection de l'année. Et on commence déjà à réfléchir pour l'année prochaine. Et puis combien de galettes on va faire? On va attendre les retours cette année de tous nos clients. Ouais. Et après, on va pouvoir les ajuster en fonction des retours. En fonction de ce que vous disent les clients, ça vous donne une sorte de grille de lecture pour les galettes d'après. Exactement. Sur les goûts, sur la consistance, sur la décoration, surtout. Sur tout leur retour. Sur en fait, il y a des gens qui vont beaucoup aimer pourquoi et des gens qui vont moins aimer pourquoi. Il n'y a pas grand-chose à changer. J'ai une question. Est-ce qu'on est obligé, en tant que pâtissier, d'innover? C'est-à-dire, est-ce que finalement, la pureté d'une recette qui s'est transmise et qui nous rappelle justement toute la simplicité, les souvenirs, l'histoire, ça attire toujours les gens? Oui. Alors oui, par contre... Je crois que votre mari, il les aime pas, celle-là. Alors lui, il aime bien la traditionnelle comme ça. Voilà, c'est ça. La rhum. Il faut des traditionnels. Parce que ça dépend dans quel état d'esprit on est. Parfois, on a envie de goûter ce goût de l'enfance qu'on aime beaucoup, qui nous remonte, replonge dans les souvenirs. Et parfois, on a envie d'avoir aussi quelque chose de différent, de faire une découverte. Mais c'est quoi, du coup, être meilleure pâtissière du monde? C'est justement innover ou c'est perpétuer une tradition? C'est justement le mélange des deux, je pense. Ce qui est incroyable avec ce titre, c'est que c'est quand même un titre de l'Union internationale des boulangers pâtissiers. Donc, c'est des gens qui représentent notre métier. Donc, pour moi, c'est énorme comme reconnaissance. Et puis... ça représente le travail du quotidien. C'est aussi bien la formation, le parcours par lequel on est passé, et puis notre histoire un petit peu. Mais c'est aussi le quotidien, c'est les équipes, c'est la transmission, c'est les clients. C'est ce qu'on partage, ce qu'on veut transmettre. Donc c'est vrai que c'est un titre qui est beau, c'est pas juste sur un gâteau ou sur des... voilà.
je ne vais pas dire que mes gâteaux sont les meilleurs du monde, loin de là. Non, mais vous avez un rapport, une façon particulière d'en parler, quand vous en parlez à chaque fois, c'est très charnel. Vous parlez, d'abord, vous étiez boulangère et vous avez une façon de raconter le pétrissage du pain, le moment où la farine et l'eau prennent corps, qui est presque poétique, je trouve. Oui. Ouais. Ah, mais moi, je trouve ça extrêmement poétique. Je trouve ça philosophique, je trouve ça... ouais, c'est passionnant. Qu'est-ce qu'il y a de philosophique ? Bah, c'est toute la façon de travailler cette matière pour lui donner vie, partager du bonheur avec les gens, des choses simples. Parce qu'en fait, on mélange quoi ? De la farine, de l'eau, des œufs, de la poudre d'amande pour faire une galette, par exemple. Une tarte à tarte, c'est des pommes. Enfin, c'est du caramel, c'est des choses qui sont extrêmement simples. Et en fait, pour donner de l'émotion, il faut déjà en avoir. Il faut chercher quelle émotion on veut transmettre et par quel biais on va réussir à le faire. Et pour ça, il faut comprendre les gens, on va rentrer dans l'intimité. Parce que c'est aussi des saveurs qu'on a depuis qu'on est petit. On a ce goût pour le sucre, en fait, elle est notre mémoire gustative extrêmement présente chez chacun d'entre nous et beaucoup plus présente qu'on peut l'imaginer. Une odeur, une texture, quelque chose qui reste comme ça dans la danse. Enfin, c'est des détails et en fait, tout ça va nous procurer des émotions, des sentiments avec du sucre. Bah, souvent, c'est quand même du bien-être. Oui. C'est des beaux souvenirs. Mais est-ce que parfois vous ratez encore des desserts ? Ça vous arrive de rater ? Oui, tout le temps. Quoi, c'est très technique, la pâtisserie. Il y a des réactions chimiques. Le plus difficile, c'est quoi ? Après, il y a des choses... dès qu'on essaye des choses, on va rater. Parce que nous, on essaye constamment des recettes. J'ai d'ailleurs deux personnes qui travaillent en création avec moi, avec qui on discute. D'ailleurs, c'est beaucoup de philo quand on discute des créations, etc. C'est très philosophique, nos discussions. Et après, on va essayer des choses. Mais vu que c'est une recette qu'on ne connaît pas quand on essaye, ben on va forcément la rater 4, 5, 10, 20 fois avant d'avoir le bon équilibre, la bonne texture, la bonne conservation, le bon côté gras qui va fondre en bouche mais qui ne va pas venir napper les papilles pour laisser échapper toutes les saveurs qui vont passer par l'air parce que l'air est un transmetteur de saveurs. Enfin, en fait, c'est tellement complexe. Ça aussi, c'est philosophique qu'il faut rater pour réussir. Voilà.